Allez, donc Yoshi's Woolly World, on va repartir sur ce jeu qui est le jeu le plus mignon du monde, je pense. Alors, l'histoire est de ne pas essayer de finir le jeu à 100%, mais d'avancer un petit peu pour voir ce que nous propose le jeu en termes de gameplay et de changement de mécanique, puisqu'on a vu différentes mécaniques de gameplay au travers le jeu depuis qu'on a commencé. Bien sûr, faudrait que je vois ce que ça donne de jouer à deux pour voir ce qu'on peut faire un petit peu. Est-ce que c'est de la coop, est-ce que c'est, je sais pas. Rappelez-vous, on avait débloqué le monde numéro 2 la dernière fois en VOD. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir. Et du coup, on démarre le monde 2. Alors, on a toujours ce skin, ce fameux Yoshimeu, évidemment. Et on avance comme on peut, cavalier seul, évidemment, on peut faire la coop. Hein ? On peut faire de la coop. Alors, pastèque à volonté, ça c'est génial. On a toujours les badges, bien sûr. Pelote plus grosse, attaque rodéo améliorée. Pour ceux qui découvrent le jeu, je vous invite à aller voir les VOD précédentes qui sont publiées sur YouTube afin de pouvoir un petit peu voir ce qui se passe. Et rappelez-vous, le background, c'est extrêmement important. On se rappelle, on a les dessins des gens ici qui sont produits par les fans avec les badges. Machin truc, bidule. Ok, c'est parti. Alors, faut que je me rappelle des touches. Ah oui, c'est vrai. Alors, un jeu, on se rappelle, hein. Difficile pour les enfants, mais pas que. Alors, c'était quoi les touches? Je crois que ça c'était, voilà, ça c'était la langue. Comme ça, on pond un œuf. Exactement. Ok, là on plane. Ça c'est quoi? Donc la DA de ce jeu est absolument... Merde, ah, c'est vrai qu'on vise comme ça. La DA de ce jeu est absolument formidable, je trouve. Et particulièrement réussie. Attendez, hop. Augmente le son de ta voix. Quoi? Mais pas du tout, c'est pas la peine. Non. Y'a quoi? De la vie, excellent. Pastèque à volonté alors qu'il fait trop chaud. Pastèque sans pépins, j'espère. C'est dur à comprendre si on n'a pas vu le premier monde. Bah écoutez, ce que vous devez savoir, c'est que c'est un jeu de plateforme. Un petit peu différent des autres, mais c'est surtout un jeu de plateforme. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, meurt. On va essayer de pas faire n'importe quoi, comme tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller dans ce tuyau? Non. Voilà, on peut monter là. Là, on peut monter, on y va. Alors, je vous rappelle que on ne peut pas... Alors là, comment on va pouvoir aller là-haut? Ah oui, comme ça. Voilà. On peut voler quasiment à l'infini. Enfin, on peut planer à l'infini, c'est quand même génial. Bon, avançons un peu là, hein, on est lent. Oh zut. J'essaye d'accélérer et tout de suite je me prends des trucs dans la gueule. Voilà. Quel magnifique visage. Quel magnifique visée. Un peu chiant de ce truc là, ce monde qui part un peu dans tous les sens. Voilà. Et c'est la fin de la première partie du niveau. On fait un peu le ease. Oui, ça ressemble à Yoshi's Island, exactement. Yoshi's Island, comme je rappelais la semaine dernière, car quand nous étions petits, enfin moi en tout cas, je disais Yoshi's Island, parce que quand j'y jouais, je devais avoir, je sais pas, 8-9 ans. Je sais pas quel âge je devais avoir. Aucune idée. Et encore une nouvelle manière d'avancer dans les niveaux. De toute façon, les level designers de Nintendo déconnent vraiment zéro. Ils ont souvent des nouvelles idées, même si, bon, je dis pas que là, c'est une nouvelle idée, hein, mais... Ils ont souvent des bonnes et nouvelles idées. Ce qui est rare dans les studios de développement de jeux vidéo. Oh bah zut. Et c'est dur de renouveler une licence comme les Mario et tout. Et bordel. Voilà. Une petite fleur. Et c'est la deuxième, nous en avons raté une. C'est pas grave. Voilà, est-ce qu'on peut les manger eux? Non. Est-ce qu'on peut leur envoyer des trucs? Ah. Ils se tapent entre eux, ok. Alors là, qu'est-ce qu'on a là? Merde. Ah. Des portes. Merde. Oh, je peux pas avoir celui-là. Ah si, j'en ai une encore. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça se met à faire ça. Et donc là, on va pouvoir aller, voilà, chercher celui-là. Ok. Mais là, du coup, il me refaut des pelotes de laine. Allez, on y va. Donc là, on attend. Je peux détricoter les éléments du décor qui ont un petit nœud. Ouais, je sais, j'oublie pas. Mais c'est vrai que des fois, je ne le vois pas. Et... Oh. Voilà. Ah non. On peut pas monter. Ah, il faut juste être en haut comme ça, d'accord. Génial, extrêmement important. Comment on fait descendre ça? Please. On peut pas.
J'ai l'impression qu'on peut, mais parce que vous voyez, ça tient par des câbles derrière. On sera peut-être plus tard. Allez hop! Oh zut! Voilà! Hein? Voilà! Hop là, on avance. Ah mais non, comment on va faire? Nous sommes dans l'incapacité. Donc là, il faut. Oh! Faut trouver ce qu'il faut faire. Un pot! Ah oui, excellent! C'est un pot! Comme on en voit dans Mario souvent, évidemment. Si j'allais plus loin, ça faisait quoi? Ah, peut-être que là, on peut aller là-dedans. On ne peut pas, malheureusement. Ah, mais ça continue d'être bloqué! Ah, ok, je pensais pas que. Ok. Donc là, il y a un autre pot, j'imagine. Non, il n'y en a pas d'autre. Ah, il faut aller le rechercher, d'accord. Très bien! Ah! Allez, on y va! Hein? Hein? Oh, tiens! Raté! C'est pas grave, c'était fait exprès. Je voulais voir si vous suiviez et tout. Et voilà. Hop! Hein? Hein? Et on remarque que c'est l'un des premiers jeux de thématique Mario et Nintendo qui. Merde, putain, je l'avais vu pourtant. Qui nous fait des niveaux qui sont dans l'eau, mais gérables. Et en fait, ce ne sera pas de l'eau. Vous le verrez plus tard. On l'a vu dans la première VOD, dans la première partie du jeu qu'on a essayé. Et c'était assez agréable, je dois dire. Tiens! Oh! Par contre, ça met le jeu en pause quand on fait un. Quand on fait un tir. Y'a pas un truc en haut là? Non, y'a rien. Oh! Oh, qu'est-ce qu'il veut lui? Ah! Alors attendez. Hop! Très bien! Excellent! Voilà, on va tout chercher. Est-ce qu'on peut shooter ces trucs? Non, on peut pas. Les oursins là. Ah putain. On peut pas se retourner quand on tire comme ça, c'est un peu dommage. Mais bon, pourquoi pas. Allez hop! Qu'est-ce que c'est? Une fleur? Et je pense que là je suis à la fin du niveau. Voilà ça. J'ai raté beaucoup de trucs secrets dans ce niveau là. Mais comme on l'a déjà dit, le but n'est pas de finir le jeu à 100%. Hein? Oh! Ce n'est rien, ça enlève juste un peu de vie. Ah, par contre, là, on peut pas passer si on n'a pas de. Ah ouais. Remarque, est-ce que la plante verte va nous manger? On ne sait pas. Est-ce que les plantes rouges qui ressemblent à des amanites phalloïdes de couleur, on sait qu'elles nous mangent, mais. Et les autres? Ah, mais putain, pas possible ça. Hein? Est-ce qu'on peut aller dedans? Là, on peut aller dedans, c'est sûr! Et putain. Je galère un peu, mais c'est rien. Hein. Oh non. Et la fin du niveau. Fin du premier niveau du deuxième monde. Et j'ai fait n'importe quoi dans ce niveau. Hein. C'est-à-dire qu'en général, j'essaye à peu près de... jeu bonus. Attendez, il y a un jeu bonus. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'essaye à peu près de récupérer les laines et les fleurs en général dans les niveaux. Là, ça s'est retrouvé de manière catastrophique. Alors, voyons voir, jeu bonus, c'est quoi? Jeu bonus! Ah oui, c'est vrai, c'est ça. J'ai toujours pas compris comment on activait le saut. Ah si! Ah, j'ai l'air d'avoir compris! Ouais! Ouais! Ah, on a deux étapes! Waouh! 3, 2, 1... Terminé. Oh, j'ai eu masse points. Qu'est-ce qu'on gagne pour ça? J'ai eu une pastèque, des pommes, des kiwis, des citrons, des oranges. On gagne rien. Juste des points, c'est de la merde. De la merde. Et galère. Ouais. J'adore ce jeu. Je regarde les chargements, hein. C'est plutôt pas mal. Allons-y. Par contre, Nintendo et Monde 2 égale Monde Désertique, ça, il rate jamais. Hey, vous pouvez utiliser n'importe quel badge gratuitement en ce moment, profitez-en. Ouais, je sais, vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Enfin, la dernière fois quand j'y ai joué. Ouais. Deuxième monde. Bon, les cinématiques de découverte des mondes sont assez longues, mais... C'est normal, on joue à ce jeu pour se faire plaisir avant tout. Il est important que l'immersion et les animations soient agréables pour tout le monde. Soit ENT. Façade double face.
D'accord. Je me demande s'il y a un admin qui valide les dessins chez Nintendo. Je pense que ouais. Je pense que ouais. Pourquoi il y a une flèche vers le bas là? Oh, on peut. Oh là là, il y a une deuxième dimension dans le décor. Ah, ça, c'est pas mal du tout. C'est-à-dire que là, un peu à la manière d'un fez. Oh, une souris m'a volé le. Ah, bah d'accord. Enfin, un peu à la manière d'un fez. Je dis ça, mais c'est pas fez qui a inventé ça. Hein. Mais juste. Chaque fois, ça me fait penser à fez. Ah! Je me souviens plus comment on. Ah oui, comme ça! Quel con! Louise! Des petites souris! D'accord. On va de l'autre côté. Ah ouais, du coup, deux fois plus de trucs à regarder. Évidemment! Ah ouais, là, on va à côté. Waouh! Pas mal du tout. J'aime... Moi, j'aime bien ce genre de truc. J'aime bien ce genre de truc. Je trouve ça beau, en fait, tout simplement. En général, c'est assez bien fait. Et là, c'est bien fait. Ah merde, fallait descendre. Fallait descendre, excusez-moi. Go. Et hop. Alors oui, je me suis fait ban pendant un mois sur le Miiverse parce que mon cousin fait des dessins phalliques. Ah ouais? Ah, donc il vérifie. Parce que justement, moi je disais hier, imaginez là, il y a un mec qui fait un gros phallus. Et donc du coup, ce n'est pas possible parce que je sais que Nintendo tient beaucoup à ça. Et ils ont raison, hein, encore une fois. Et c'est quoi ces petites souris de merde là? On peut même pas aller les voir. Oh waouh! Il y a quelque chose ici. Ça a fait pop un truc derrière. Ça a fait pop du CPM derrière. Hop. Voilà. Louise. Oh là on pouvait monter! Du coup on peut plus! Qu'est-ce qu'on est déçu! Ah qu'est-ce qu'on est déçu! J'essaye de faire ça. Voilà! Oh quoi? Je fais ça pour rien! Je suis bien déçu. Je suis bien déçu. Je suis bien deg. Hop. Palom pam. Bon par contre le palom pam de Yoshi là qui mange des gens c'est assez bizarre. Attendez là. Wow. Oh my god. Vous avez vu j'ai du skill quand même hein. Oh. 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 Ah en fait on leur fait peur quand on les regarde c'est ça. Ah quand on est dodo elles nous foncent dessus et là. Ouais. Ouais. C'est des sortes de fantômes. C'est comme les fantômes de Mario sauf que ce sont des souris. Très bien. Extrêmement intéressant. J'ai pas envie de tout rater, j'essaie d'aller dans les deux côtés. On y va, on y va. Ouais. Ah. Il n'y a plus de laine. Ah là c'est un petit exercice de tir. Waouh. Passé avec brio de ma part. Et nous avons la deuxième laine de ce niveau, on est extrêmement content. Pam. Ah, on peut plus, d'accord. Je voulais vérifier que ça se passait comme ça. Eh bien, oui, c'est le cas. Pam. Oh, y'a quoi là? Ah, ouais, y'a ça. Y'a toujours quelque chose, hein. Un endroit n'est pas là pour rien. Comme vous pouvez vous en douter, évidemment. Alors, par contre, là, c'est quoi la suite? Non, parce que bon, là, en gros, moi je veux bien. Vous avez dit tout ça, moi je veux bien. Hein? Là je suis coincé non? Là en gros je suis coincé. Qu'est-ce qui se passe? C'est par où? Ah c'est peut-être là à gauche. Non. À moins qu'on puisse déplacer ça? Non j'en doute. Ouais non. Ce qui est bizarre d'ailleurs, genre on peut sauter dessus mais on peut pas. Attendez. Problème là, je suis coincé là. Je suis même pas coincé là. Oh. Ah on peut se baisser, je savais pas. Je l'ai dit, ça change rien. On peut pas avancer en se baissant, non. On ne peut pas. Là on voit des pièces, on voit qu'il y a du CPM. Ah mais du coup faut que j'y aille, c'est par là. C'est là, juste à droite. Juste ici, juste là. Là, putain. Là, là. Ah non, là. Ah ouais, là. Non mais ça c'est bien beau mais... Au-dessus de l'autre peut-être. Ah mais oui on voit à travers, imbécile.
Et donc là, il faut sauter direct. Oh là là, zut. Oh là là, zut. Waouh, c'était dur. Et non, le mec découvre au deuxième monde qu'il peut se baisser. Oui, alors oui, c'est vrai. Excusez-moi, je suis resté coincé. Je vous demande pardon, excusez-moi. Hein ? Creusez la terre avec B vers le haut, vers le bas, dans tous les sens. We go ! Tep, 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 tep. Ah, mais c'est que en linéaire. Il va y avoir des trucs cachés, évidemment. Du temps ! C'est par où ? Par là ! Oh mon dieu, un bloc plus épais. Hein ? Ah, du CP à ma droite. Bon, c'est pas grave. C'est un peu bordélique comme façon de se déplacer, mais... Vite ! Vite ! Oh, de la LED, là ! C'est vrai qu'il nous la faut, il nous la faut ! Non, on peut pas y aller ! Ah, parce que... Ah, on pue la merde ! Ah, ok, ok, je pensais pas. Ok, bon, il y avait un truc que j'avais pas capté. D'accord ! Il fallait forcément arriver de là-haut, en fait. D'accord. En fait, on peut pas aller, on peut pas se déplacer normalement si on est en forme de... De taupe, j'ai envie de dire, hein. Donc c'est moi la taupe. Hop. Voilà. Voilà. Hein. Alors pour l'instant on découvre, on regarde un peu ce que le jeu, ce que le niveau nous propose. Mais là ça va être un gros casse-tête de devant derrière, je pense. Ouais. Alors là, ce qu'on va faire. Hein. Yeah. Une fleur. Vous voyez, c'est le premier niveau à peu près labyrinthe qu'il y a. Et pourtant, j'arrive à quasiment avoir tous les bonus. Y a rien là-haut, là ? Je vérifie maintenant, je tire. Vu qu'on a de la laine à ne plus savoir qu'en foutre, bien sûr. Pousse-toi ! Oh go ! Oh go go ! Hop ! Hop ! Hop ! Hein ! Allez ! Oh non, bah non, je suis mort. J'ai réapparaître où là? Oh non, j'avais oublié que ça pouvait nous manger, zut. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hop, hop. Alors là, il faut aller rechercher la fleur. Sauf si... Est-ce que c'est la peine à votre avis? Alors est-ce que là... Ah oui, il faut aller la rechercher. Quand on meurt, évidemment. Il faut aller la rechercher. Oh. J'ai encore tenté le diable. Ça aurait pu se solder par un échec cuisant. Attention. 1 Voilà. Là, il y a du CPM. Là aussi, normalement, voilà. Hop. Les gemmes qui servent à acheter toutes sortes de bonus dans les jeux. Et c'est assez rigolo. Voilà. Les blocs de laine plus foncés que les autres sont apparemment tous transparents. Pense bien à les vérifier. D'accord. Merci pour cette indication. Oh. Attendez. Mais je triche si je mets des viewers tout le temps. Ah, ah non, mais je voulais. Putain. Allez, elle meurt. Alors là, je vais passer de l'autre côté. Voyons voir. Donc ça, ce serait transparent. Non, mais non. Eh bah non. Ah voilà. Là, il doit y avoir sûrement un trampoline ou un haricot. Voilà. Oh. Hey. Salut. Hey, de la vie. De la vie, c'est pas ouf, mais c'est pas grave. Ah. Oh, et on a récupéré de la laine. Formidable. Ah, par contre, on a eu la dernière laine du jeu, donc ça, c'est bizarre. À moins que tout soit ici, parce que c'est un endroit qui a l'air assez grand quand même. Parce que là, on voit des trucs qui sont derrière et tout. Genre là. Mais sinon, c'est assez bizarre. Hein. Hein. Ah, non, non. Ah, mais en fait, elles peuvent pas nous taper, j'ai l'impression. Si. Est-ce qu'elles peuvent nous toucher? Je vérifie. Ah, juste elles, non, elles nous volent de la laine, d'accord. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Regardez. Hop. 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 Et voilà. Hop, hop, hop. Hein. Ah, donc faut monter. Mais on peut pas monter. Du coup, il faut réussir à monter là-haut, mais sans aller par là. Là, y'a quoi? Ah. Excellent. Voilà. Et là, on devrait pouvoir... Ah non, mais on pourra pas l'atteindre, là. C'est beaucoup trop, non? Merci pour tous les streams de qualité. Je pense que tu auras vu ta passion encore longtemps. Des bisous. Merci à toi, anonyme. Est-ce que c'est un vrai anonyme ou c'est quelqu'un qui s'est fait censurer son pseudo pour une raison inconnue?
Attendez, je me fais voler toutes mes laines. C'était le petit Tom. Merci à toi, le petit Tom. Pourquoi ton pseudo? Ah oui, parce qu'il y a Tite dans ton pseudo. Putain. N'importe quoi. Y'a un mec qui a mis, c'est vraiment trop mignon le jeu là, faut arrêter. Je vais fondre. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout trop mignon, c'est dégueulasse. Regarde cette violence gratuite. Non, pas du tout. Là par contre, j'étais allé à droite, maintenant je vais aller à gauche. Et donc là à gauche, ah ouais, on peut aller là. Trop marrant, trop bien. Mais là par contre, y'a de la laine derrière. J'aimerais bien aller là moi. Comment qu'on fait? J'ai peur que. Non, j'ai pas envie d'aller là. Ça va être gâché après. Comment on fait? On peut pas y aller là? Ouais. J'aimerais bien aller la récupérer, mais je sais pas trop comment on fait. Voyons voir. Voilà, on est re tout en bas. Une catastrophe. Ah non, j'ai pas réussi. Je pensais choper le timing exact, mais je n'ai pas réussi. Putain, mais comment on fait? Comment on fait à votre avis? À votre avis, hein? Regarde s'il n'y a pas un truc là. Oh, mais saloperie! Ça, c'est moi qui lui ai foncé dessus carrément. Catastrophe! Tu peux sauter sur la boîte à laine, il y a des petits rebords. Quoi? Ah, sur la boîte à laine! Ah ouais! Eh non, on ne peut pas tirer sur un paquet de laine pour le récupérer malheureusement. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Je regrette, les amis. Ah ouais, faut aller là derrière et aller sur la boîte à laine. Ah ouais. Oh. Vous croyez que c'est comme ça? Ce serait chaud. Eh non, on ne peut pas, c'est pas comme ça. Hein. Eh non, j'ai essayé de le faire en plus tout à l'heure. De quoi vous parlez là? Et si on tire dessus, ça ne marchera pas parce que, rappelez-vous, ça, on ne peut pas attraper les morceaux de laine de Yoshi avec un lancer. Genre si je fais ça, on ne peut pas l'avoir. Il y a des gens qui disent, tu peux l'avoir en tirant dessus, mais non, on ne peut pas. Hein. Je vous garantis qu'on ne peut pas. À moins que j'ai toujours raté, et du coup, ça expliquerait beaucoup de choses. Et c'est mieux. Sérieux? Putain, merde. Attendez, sauf si, sauf si, genre, si je fais ça, là, si je vais en... Ah, voilà! Putain, n'importe quoi, sérieux. N'importe quoi, monsieur, n'importe quoi! N'importe quoi! Trop déçu, ah. Bon, il nous en manquera par contre, encore un, c'est dommage, mais c'est pas grave. On a quand même des flèches pour savoir où aller, c'est assez cool de la part des level designers. Et voilà. Il en manquera une, bon. Youhou! On a vu que finir les niveaux sans prendre les secrets et tout, ça n'était pas du tout long de toute façon. Merde. Des fois ça commence à viser en haut et des fois ça commence à viser en bas, donc je comprends pas trop. Alors que les fleurs, elles, on peut les avoir. Oh bah d'accord. Wouh! Yo, on peut tout faire en finissant en planant quasiment. Yeah! C'est terminé! Et nous avons 20 000 gemmes. Oh, un jeu bonus encore. Génial. Là où on tombe masse, faut faire ton saut bien galère pour pas arriver jusqu'en bas. Test, tu verras. Quoi? Non, c'est pas ça du tout. Hein. Ce n'était pas ça du tout. Merci à toi, Dr. Swax. Merci aux gens sur le chat. Merci aux gens qui envoient des encouragements et des trucs genre « Ah, Zera, c'est trop bien !» et tous les lives. Merci beaucoup. Oh non, ça va être chiant, ça. Ah, c'est chiant. Ouais, la pastèque bonus. Donne. Il y a des pépins en plus. Oh non. Oh, j'ai eu deux séries. Waouh. Deux séries complètes de fruits. Oh. Attends, j'ai pas fini. Ah. Yeah. Bon, ça fait dépop les fruits et ça nous fait descendre, quoi qu'il arrive. Alors, on a fait 2650. Pas mal. Et ça les ajoute en j'aime. En like. Génial. Pas mal du tout, pas mal du tout. Alors les dessins des gens, toujours aussi incroyables. Toujours aussi fous. Alors. Ah! On va avoir des Cotonou Prout Prout.
Oui, le truc attaché là à la corde, moi j'appelle ça un cotonou prout-prout. Alors qu'en fait ça s'appelle un bill, hein, on le sait tous. Mais moi, pourquoi j'appelle ça comme ça? Eh ben écoutez, parce que quand j'étais petit et que je jouais à Mario 64, jeu d'aventure, dans le premier niveau, il y a ce truc, et je sais pas pourquoi, j'appelais ça un cotonou prout-prout. Aucune idée pourquoi. C'est peut-être à cause de mes frères et sœurs. Je ne sais pas. Et donc voilà, et donc du coup, les cotonou prout-prout. Voilà. Voilà, c'est tout. Un chomp. Non mais oui, c'est un chomp, bien sûr. Quand j'ai vu que ça s'appelait un chomp, puis un build dans Mario Kart et tout, j'étais en mode, mais pas du tout, c'est un cotonou prout-prout. Oh, j'étais extrêmement déçu. Oui, les billes, c'est les fusées, my bad. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, je l'ai tué sans faire exprès. Oh, et ça devient un... Waouh! Un cotonou prout-prout qui peut anéantir des trucs. Alors oui, je sais, sur le côté là-bas, j'aurais pu avoir un bonus, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Ah, une attaque rodéo peut-être là-dessus. Ah oui, Peloise. Attendez, attendez, attendez. On va retourner là-bas. Bill, c'est la roquette, rien à voir avec le champ. T'es sûr qu'il y a vraiment rien à voir? Tu devrais vérifier parce que moi, je pense qu'il y a un truc à voir. Alors là, est-ce qu'on se fait niquer? Parce qu'en gros... Ah ouais, on choisit si on récupère le bonus, on choisit de se faire niquer et de pas en avoir à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, à mon avis, la vérité, c'est que... La vérité, c'est qu'il vaut mieux... Ah non, on n'est pas niqué! Ah si, comment on fait? Non mais putain... Meurs! Ah non, on peut rien faire quoi qu'il arrive. Je me suis dit peut-être que quand il est stun, on peut profiter du truc pour... Eh mais comment on fait là? Du coup, tu le pousses sur la pente, il va redescendre. Quoi? Non mais c'est pas ça en fait, c'est juste que... Comment il va passer la marche? Comment il va passer la marche après? Bon, c'est ça mon problème. Allez. Mais c'est vrai qu'on peut faire ça. J'avais oublié. Non, non, par là, par là. Mais c'est débile. Mais non, mais... Non, mais c'est débile. Nintendo, faut revoir la physique là. Normalement, quand on roule dans ce sens, ça devrait le faire rouler de l'autre côté, hein. Il y a un énorme problème là, Nintendo, hein. Ah, c'est parce qu'en fait, ils considèrent que c'est juste le poids du Yoshi qui fait ça et non pas la façon dans laquelle il court dessus, vous voyez. Et voilà, et là, comment on fait? Il y a un cotonou prout-prout en plein milieu, c'est une catastrophe. Mange-le, Zérin. Quoi? Ah ouais! Ah ouais! Sérieux? Moi, je trouverais jamais ça, hein. Moi, je suis un gros con hein, dans les jeux vidéo. Comment on fait si on est stupide comme moi, en fait? Hein? Alors que le jeu nous apprend qu'on peut faire ça, puisque au début on le détricote et on le retricote ensuite. Hein. Ah là on aurait dû le manger. Attends, vas-y, viens. Là on fait ça, là il nous suit. Viens là le cotonou prout-prout. Viens là. Viens là encore. Là, voilà encore. Et là, bim. Ah! Mais quoi? Mais quoi? Mais ça marche pas? Ça marche pas? Parce que j'ai trop de laine, je pense. Mais il se passe quoi en fait? Non mais attendez, il s'est passé quoi là? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Mais c'est bugué ou quoi? Mais c'est bugué. Fallait pas juste faire ça? Fallait d'abord le lainer. Ah ouais. Oh, il est tout rose, regardez. Ok, my bad. J'avais oublié que j'avais balancé de la laine dessus avant de... Oh merde! J'avais oublié. Viens là! Viens! Oh non, je suis à l'envers! Ouh. Ah, il m'a touché quand même. Ok, génial. Génial. Non, parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai pas jeté de la laine sur lui. J'ai jeté de la laine sur le mur et ça a rebondi sur lui. Du coup, ça l'a retransformé et vu que dans ma tête, je n'avais pas tiré vraiment sur lui, c'était différent. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pour ça que dans ma tête j'avais zappé ça. En gros, sur les deux fois où je l'ai retransformé, il y a une fois où j'ai pas vraiment fait exprès de le changer en truc comme ça. Et c'est pour ça. Allons-y. Allez, monte. Mais putain. Deuxième tentative. Oh mais putain. Eh, ça devient n'importe. Vas-y, viens là. Ah,
Première laine, bah dis donc c'était laborieux. Hein. On a plus de vie. On a plus de vie. De la vie. De la vie. Et l'amour aussi. Alors là j'imagine qu'il faudra aller sur la gauche au bout d'un moment. Ah. Attends, reviens. Attends, je... Non, 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 va pas par là. Attends, bon, c'est pas grave, Osef. Osef aura perdu la vie. Hein. Oh, on peut pas. Oh, on peut pas, comment on fait? Comment on fait? Peut-être que ça, ça va les ouvrir. Pas du tout, pas du tout. Dans quel monde, Zerator? Hein? Hein? Ah, comment on fait? Ça veut dire qu'il faut arriver d'en haut. Ouais, c'est chiant. Alors attendez, bon, j'ai plus de vie du tout, hein, mais... En gros, faut juste pas que... Oh. Ah, il les mange pas, du coup, hein, il s'en fout. Hein. C'est compliqué! Ah, mais non. Eh ben, c'est cool. Alors, je pense qu'on va passer pas mal de temps sur ce niveau. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Pour revoir le live complet. Ah non, pourquoi j'ai fait ça? Je voulais pas faire ça, je voulais qu'ils me poursuivent parce que je m'en fous du reste. Allez, de la vie, hein, on en récupère, c'est important. Vous voyez, tout à l'heure j'ai fait ça en fait. Et du coup, ça n'a pas vraiment fait ce que je voulais. Voilà! Mais une fois qu'on sait, ça va un petit peu plus vite. C'est ça qui est bien. Hein? Alors c'est marrant parce que là, vous voyez, en fait, tout à l'heure j'ai perdu de la vie en faisant ce move là. Et là, j'ai eu une sorte de frame d'invincibilité par rapport à la transformation du truc. Allez, putain, mais viens. Ah oui, en fait, c'est là, faut se cacher ici. Ah ouais, pour pas subir le fait qu'en fait, en remontant, il peut vous déboîter la gueule. D'accord, je comprends. Je comprends, excellent. Bravo Nintendo. Bravo Nintendo. Comme diraient les trois refs. Allez, go. Et donc là, on devrait avoir, ici, quelque part... Un mur invisible. Je vais invisible. Allez, go. Bon, bah, on en a pas. Je sais pas où il est. On va faire attention, il y a un truc qui nous suit. Hop là. Voilà. Hein. Voilà. Allez, viens. Voilà. Eh, mais c'est chaud, hein, de tout coordonner malgré tout. Voilà, go. Vas-y, allons-y. Tout ça pour une fleur de merde. Bon, je sais toujours pas comment on récupère l'autre laine. Je pensais qu'il y aurait un passage secret. Mais en fait non. Tant pis. C'est pas grave, on s'en fout. On n'est pas encore dans l'objectif 100%. Là, c'est quoi ça? C'est rien, on peut rien faire avec ça. D'accord. Ah, on peut la faire monter avec un jump, c'est ça? Ah, c'est un poids. C'est un cap. Ok. Checkpoint. Excellent. En haut à gauche, le mur se pousse. Oh, c'est pas grave. Grâce à mon Cotonou Prout Prout, j'ai pu faire déjà de grandes choses. Hein? Alors là, on est censé avoir un Cotonou Prout Prout ou pas? Ah non, parce qu'en gros... Ah là! Ah, il est énorme. Ah, faut faire un lancer de type... hop. Et ça change quoi? Ah, il va rouler bouler jusqu'à moi, ça. Excellent. Excellent. Et là, est-ce qu'il peut me suivre jusqu'ici, à votre avis? Il peut me suivre là ou pas? Ah non, il peut pas. Hein. Ouais. Tiens, en vert. T'es comment en vert? Ah, t'es pas mal en vert. Il est pas mal en vert. Ah, c'est vraiment pas mal du tout. Allez, go. Ah là, tu peux monter avec moi, par contre. Eh bah viens. Attends, viens. Viens. Et putain, viens. Oh. Hop. 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 Et hop. Hein. Allez. Go. Allez, accélère. Oh zut, j'ai raté. Là ça aurait dû me tuer en vrai. Ça c'est un peu con, c'était un peu évident. Ok. Va-t'en. J'utilise cette porte dérobée grâce à la fermeture éclair et
J'arrive dans un niveau secret. Alors le pot fait quoi? Ok. Donc j'imagine qu'en mettant la bouboule sur ce truc, ça va nous faire un petit levage. Hop. Donc là il va falloir utiliser le temps du pot pour bien placer la boule. Ah, pas mal, c'est bon. Et voilà. Heureusement que c'est un Peggy 3. Qu'est-ce que ça aurait été si c'était un jeu Peggy 18? Perso, je l'appelais le chien truc. Le chien truc qui te suit. Ah ouais, pas mal. Pas mal le chien truc, mais Cotonou Prout Prout, je trouve que c'est un petit peu mieux. Ouais, je trouve que c'est mieux. Quelqu'un m'a dit encore une fois, Zerator, tu peux manger tout ce qui a un nœud. Mais je ne vois pas. Je ne vois pas. J'aime beaucoup ce jeu. Francis Lalaine. Oh, bravo. Ah, bravo, hein, là, vraiment. Ah, super, faut retourner en bas, imbécile. Go. À moins que ça, vous appelez ça un nœud. Le truc qui est là. Mais non, ça, c'est un élastique. Ah, ça a failli être très énervant, là. Go. On avance bien, on avance bien. Ça l'a pris le micro, il est trop près, là. Pas vrai, ça. Ah. Là, on a une vision beaucoup plus éloignée de Yoshi. Dès qu'on arrive à ce moment-là du jeu. Tiens, Ouned. Éliminons les ennemis si on le peut. Hop. Allez, salut. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah. Allez, tombe. Oh, quoi? Ah, oh, ouais, trop bien. Ouah, trop marrant. Ouah. Trop bien. Je fais du cirque. Eh, viens, suis-moi. Ça va être trop marrant, tu verras. On va faire plein de trucs tous les deux. Allez, viens. Viens, le Cotonou Prout Prout. Ouh, qu'il est gentil, qu'il est gentil. Et donc, évidemment, on va devoir en amener deux. Tu le donnes quoi en blanc? Pas mal en blanc aussi. Bébé, 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 bébé. Voilà. Maintenant, deuxième côté. On y va. Voilà. Hop. 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 D'abord, je récupère tout le CPM. Pelui Louise. Ah. Mars est noir. Il n'y a plus d'espoir. Grisse gris. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi là il y a un... Oh là. Ah, d'accord. Pelui Louise. Hop. Attends, vas-y, monte. Deux secondes. Hop, merci. Hein. Ah, une autre laine. Incroyable. Tu peux monter, s'il te plaît? Hein. Il peut pas monter, en fait, c'est ça? Il peut pas monter. C'est une blague? Bon. Ah. Non, il peut pas monter, il peut pas monter. Hein. Non, mais n'importe quoi. Allez, viens. Viens, mais abruti de con de... Mob stupide. Hein. Non. Oui. Non, c'est abusé. Allez, monte. Hein. Hein. Vite, Falloui. T'as pas intérêt à rouler, je te le dis. C'est bon. Allez, go. Oh, mais c'est très chiant, ça. Excellent. Hop. Alors on va faire baisser le verre. Ah non, 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 c'est l'inverse, pardon, je rigolais. Pardon. Putain, fais chier. Un. Voilà. Allez, go. Riz. Allez, go, riz. Trop marrant. Ouais, allez, vas-y, monte. Me dis pas que là tu vas pas monter parce que je suis à deux plateformes de distance. Trop chiant. Vas-y. Reviens. Mais reviens maintenant. Allez, viens là. Oh, il l'a pas fait. Ah, si, c'est bon. Allez, monte maintenant. Non. Oh bon. Osef, il est monté. Il est monté, c'est ce qui compte. Hein. Allez. C'est bon. C'était laborieux, mais c'est formidable. Comment ça, c'était plus simple que ça? Ah bon? Ah, c'était plus simple que ça, en fait? J'ai fait n'importe quoi? Bon, enfin, j'y suis arrivé, c'est ce qui compte, on s'en fout. Ouais!
Attendez, il doit y avoir un truc secret là. Ah, je le savais, coquin de Nintendo. Là, y a rien à droite. Bon, en général, on n'a pas des deux côtés. Bon, allez, ça suffit. Là, ça... J'ai pas réussi, putain. C'est bon, on a réussi. Waouh. Bah putain, compliqué ce niveau. Un nouveau badge. Ah, une boule en pousse une autre. Waouh. Oh, trop marrant. Par contre, là, le moteur physique est assez bizarre. Hein. Il s'est passé des choses très bizarres. Oh, c'est trop marrant comme fin. Ça fait rire les enfants. Les enfants, ils vont faire... Si, on va en faire ça, vous allez voir. Tiens, panier. 3 points. Kobe Bryant. Bon. 25 666 716 de gemmes. C'est excellent. Alors, tu le mettais en boule sur le côté, puis t'avais juste à soulever. Noni de faire des trucs compliqués, mais c'était plus rigolo comme ça. Ah, d'accord. D'accord, ok. Du coup, il y a eu une avalanche de Cotonou Prout Prout enlénisé à la fin. Et ça, c'était extrêmement rigolo. Bon, bah écoutez, voilà. On va refaire une session de gameplay sur Yoshi's Woolly World, évidemment. Mais ça, ce sera dans quelques instants. Mesdames et messieurs, ne bougez pas. On va arriver au monde 1-4 du deuxième monde. Non, 2-4 du coup, 2-4. Ça avance lentement, hein, mais j'ai du level, c'est pour ça. Je fais durer pour que vous puissiez voir le jeu, parce que grâce au stream payé par Nintendo, qui n'ont pas du tout. Allez, à dans 5 minutes, ne bougez pas.